Salut tout le monde, ici Catherine Levac et je veux vous souhaiter un bon gala des Oscars. Vous avez travaillé fort cette année, vous vous êtes démarqué, que ce soit au niveau du leadership, des arts, des sports. Vraiment, vous avez tout donné, puis vous allez être récompensé. Et puis, non, mais vraiment, je veux vous dire bravo de vous impliquer au niveau parascolaire. Quand on pense à l'école, surtout secondaire, on pense beaucoup à nos notes, hein. C'est très important, on met beaucoup de pression là-dessus. Puis c'est important, mais en même temps, tu sais, moi, la vérité, c'est que si je fais des jokes en ce moment sur scène, c'est parce que j'ai fait de l'impro au secondaire, tu sais, c'est parce que je me suis impliquée au niveau parascolaire. Donc, ça peut, sincèrement, littéralement, changer une vie. Donc, bravo de vous impliquer. Continuez de le faire. Je veux dire bravo aussi aux finissants qui terminent cette année, qui n'auront pas peut-être la graduation souhaitée. Dites-vous que dans 10 ans, au moins, vous n'aurez pas des photos de vous autres avec des robes LED, parce qu'en ce moment, ta robe, tu la trouves belle, mais dans 10 ans, elle va être LED. Donc, bon gala, amusez-vous, puis bravo! Excusez, j'étais à la salle de bain. Bonjour tout le monde! Je pense qu'on va commencer. Je m'appelle Jean-Pierre Sab, Monsieur Sab pour vous autres. Je suis un enseignant à Garneau. Je suis votre maître de cérémonie aujourd'hui. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, c'est les Oscars, tout le monde. Oscars 2020. Première édition des Oscars sur YouTube. Comment ça fonctionne? Ben, il y a une série de vidéos qui ont été mises ensemble afin de créer une grosse vidéo. Cette vidéo-là, vous allez la regarder tout de suite. Tu te demandes, ben, comment qu'on fait ça? Ben, on commence chez nous. Si tu as déjà regardé, c'est comme une émission de Cribs sur MTV. C'est juste ma maison, une pièce après l'autre. Puis en même temps, si jamais il y a des acheteurs, la maison est sur le marché depuis quelques jours maintenant. Là, maintenant, tu te demandes, ben, pourquoi est-ce que je veux regarder 6h30 d'Oscar? C'est simple. Tous les gagnants vont recevoir 20$ en carte cadeau. À la fin, vous allez recevoir un courriel. Et dans ce courriel, vous allez pouvoir choisir laquelle des cartes cadeaux vous intéresse le plus. Cette carte cadeau sera postée chez vous. Bon, mais pourquoi qu'il faut regarder? C'est parce que je sais, vous ne regardez pas vos courriels. Puis si vous ne regardez pas vos courriels, vous n'allez pas avoir accès au sondage et vous n'allez pas recevoir votre carte cadeau. Donc, écoutez les Oscars. Avant de commencer, j'aimerais simplement faire allusion au fait que nous sommes aujourd'hui en train de faire les Oscars de manière virtuelle à cause de la situation du COVID-19. J'espère que tout le monde se porte bien, que tu sois gaulois ou pas. J'espère que vous portez votre masque. J'espère que vous pratiquez la distanciation sociale. J'en vois plusieurs qui travaillent 40 heures semaine. J'aimerais vous remercier pour travailler toutes ces heures-là. Puis là, maintenant, on va pouvoir avoir accès à une belle soirée d'Oscars parce que les Oscars permettent aux enseignants, aux entraîneurs, aux personnes en charge de différents clubs, aux membres de la direction et de l'administration de remettre des prix aux élèves qui se sont démarqués à travers l'année dans les différentes activités, sports ainsi que clubs. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Puis maintenant, ce que je vais vous dire, c'est bon épisode de Cribs, puis bon Oscar 2020, tout le monde. Puisque nous gardons le meilleur pour la fin, nous allons commencer avec les sports, la saison de sport d'automne. Les sports d'automne ont eu lieu cette année, sans COVID, sans grève du zèle des enseignants. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Les athlètes, comptez-vous chanceux, puisque plusieurs Gaulois n'ont pas eu l'occasion de représenter Garneau pour une dernière fois. Je pense surtout à mes 12e années. Les équipes de soccer féminine, les équipes de hockey, ou n'importe quel autre sport qui aurait pu avoir lieu à la fin de l'année pour nos 12e. Même l'équipe de ringuette, je pense. Puis Gagné et moi, on est vraiment triste de ne pas avoir eu l'occasion de faire une équipe de ringuette pour une dernière année. Mais, sans plus tarder, je vous présente Yannick Hébert, qui va présenter le prix pour course de fond. Elle sera suivie de M. Massé et M. Chenard, qui vont présenter les prix pour golf.
4! Bonjour, mon nom est Jeannick Hébert et je vais vous présenter le prix pour course de fond. Pour les garçons, le joueur le plus utile est Nicolas Pentland. Bravo Nicolas. Pour les filles, la joueuse la plus utile est Anna Lamontagne. Félicitations Anna. Salut les Gaulois et les Gauloises. Donc pour célébrer notre équipe de golf de cette année qui nous a permis de représenter au tournoi de la ville ainsi qu'au tournoi Franco, on a deux prix à donner. Donc, monsieur Massé. La joueuse la plus utile cette année, Emma McMahon. Et pour le joueur le plus utile, donc il était bien meilleur que son coach, donc félicitations Benjamin McMahon. Bonne journée. Vous connaissez bien Madame Kennedy et Monsieur Merizzi? Parce que moi, je les connais très bien, comme collègue, mais aussi comme élève. Petite histoire. Quand j'étais élève à Garneau entre 2003 et 2007, peut-être 2004, je suis plus certain. Ça m'a pris plusieurs années à faire mon secondaire. J'ai eu l'occasion d'avoir M. Merizzi comme enseignant et Mme Kennedy. Donc, toutes les histoires que vous connaissez et que vous avez ressenties à travers leur enseignement, je les ai moi aussi. Dans mon temps, il n'y avait pas de frisbee ultime. Deux raisons. Un, personne ne voulait jouer à ça. Deux, à Garneau, on avait juste des vrais sports. Mais maintenant, on l'a. Puis on a une bonne équipe. Donc, nous allons avoir Mme Kennedy qui va présenter l'esprit pour l'équipe compétitive et M. Merizzi qui va lui présenter les prix pour l'équipe récréative. Suivi de cela, nous allons avoir Jeannick Hébert, notre élève en chef en ce moment, celle qui va faire plein de vidéos pendant la journée, vous présenter le prix pour tennis. À tantôt! Allô Garneau! J'essaye de jouer au frisbee avec mon chien, mais tu sais, il veut pas attraper. Pas comme les joueurs et joueuses de frisbee ultime compétitif Garneau. Alors, pour meilleur esprit sportif, du côté féminin, j'aimerais reconnaître une joueuse qui est toujours, toujours prête à m'aider lors des pratiques. Elle roule le réchauffement, elle dirige les drills, toujours prête à aider avec les nouveaux coéquipiers en les aidant à améliorer leur jeu. Je l'apprécie beaucoup. Elle a été très, très, très positive aussi sur le terrain avec ses coéquipiers, ni l'une ni l'autre que Émilie Beausoleil. En ce qui concerne l'esprit sportif chez les garçons, encore quelqu'un qui est toujours prêt à aider avec n'importe quoi, l'équipement, madame, qu'est-ce que je peux faire, madame, quelle position tu veux que je joue, toujours prêt à jouer n'importe quelle position qu'on lui demande, toujours en train de nous faire rire. Surtout par ses acrobaties non nécessairement élégantes sur le terrain qui nous font des fois, on se questionne un peu s'il va pouvoir continuer à jouer. Mais toujours encourageant et son esprit sportif règne. C'est Théo Lemire. Pour le joueur et joueuse les plus utiles, alors les MVP du côté féminin, quelqu'un qui a un sens du jeu exceptionnel. Toujours sur le terrain, elle apporte un calme au niveau de son équipe. Elle est toujours là pour offrir une passe facile à ses coéquipiers quand ils sont dans le trouble. Et à plusieurs reprises, on jouait dans le vent, là, dans les tournois, puis à plusieurs reprises, des coéquipiers venaient me voir sur le bord puis ils disaient « Madame, comment qu'elle fait pour lancer si bien dans le vent? » Puis ma seule réponse était « Je sais pas. Je sais pas comment qu'elle fait. » Mais des lancers plats, des lancers faciles à attraper, c'était de toute beauté. Les résultats des tournois n'auraient pas été les mêmes sans Caitlin Kennedy. Félicitations, Caitlin. Et finalement, MVP du côté des garçons. Ben, il faudrait juste être à une joute pendant 2-3 minutes pour savoir qui était l'MVP chez les garçons. Ils se lancent partout, des lancers, des beaux lancers longs, des beaux lancers courts, puis des longs lancers non seulement du disque, mais de son corps. Partout, des fois élégant, des fois non élégant, un peu comme Théo, mais peu importe, il est toujours là. Il est toujours où est le jeu, puis il est toujours en train de faire avancer le jeu. Et puis, en tout cas, tu vas être manqué beaucoup parce qu'il termine avec nous cette année. Fait que tu vas nous manquer beaucoup, tu sais qui tu es, Samuel Tremblay-La Rochelle. Félicitations Sam, tu es une des raisons primordiales pour les deux championnats de l'équipe compétitive d'Ultimate 9-12 Garneau.
Merci tout le monde. Ultimate de l'équipe de développement, l'équipe récréative, pour le joueur ayant le meilleur esprit sportif. Chez les filles, nous avons quelqu'un qui porte extrêmement bien son nom, Amélie Content. Toujours au rendez-vous avec le goût de jouer pour s'amuser, Amélie Content, récipiendaire du prix meilleur esprit sportif. Chez les garçons, avec une attitude de leadership, de mentorat, qui voulait montrer son expérience aux nouveaux joueurs sur l'équipe, Émile Meloche-Dubé, récipiendaire du prix meilleur esprit sportif chez les garçons. Pour le joueur le plus utile à l'équipe, chez les garçons, nous avons Lance Prince. Lance faisait preuve d'athlétisme et allait toujours chercher les 10, même si ceci était mal lancé, il y avait toujours une chance que Lance soit capable de l'attraper et sauver la situation. Chez les filles, pour le joueur le plus utile, Yannicka Johnson. Toujours prêt à aller chercher le disque, jamais peur d'être intimidé, fonçait dans le tas. Yannicka Johnson, récipiendaire de la joueuse la plus utile pour l'équipe. Ultimate, récréatif, merci et félicitations à tous ceux qui ont participé. Merci, M. Merizier. Je vais maintenant présenter le prix pour l'équipe de tennis, en commençant avec le joueur le plus utile. Ou devrais-je dire le joueur le plus utile, puisque les gagnants sont Alexander Patterson et Maxime Marion. Félicitations à vous deux. Pour les filles, maintenant, la joueuse la plus utile est Élise Hébert. Bravo, Élise. En continuant avec l'équipe de tennis, je vais maintenant vous présenter le prix de meilleur esprit d'équipe. Le méritant de ce prix est Mathieu Hébert. Félicitations Mathieu! Je peux bien dire que nous les Hébert, là, on est pas mal bons en sport, hein? La prochaine série d'entraîneurs a l'occasion de prendre en charge un groupe de jeunes sur le même terrain avec un sport qui a le même nom en Europe. Monsieur Guérin va présenter les prix pour les gars soccer seniors. Ce sera suivi par Monsieur Gagné, Monsieur Pichette, Monsieur Chenard et Monsieur Plouffe qui vont présenter les prix pour la catégorie football gars seniors. Hey gang, soccer senior garçon, esprit sportif, on a Samuel Tremblay-Larochelle et joueur le plus utile, on a Ryan Thomas Fleming. Félicitations les gars. Boys, c'est Coach Gagné. Content d'avoir passé si belle saison avec vous autres. Frustré de ne pas vous avoir vu au printemps. Je pense souvent à ce qu'on a accompli cette année et où est-ce qu'on est rendu. Puis je tiens vraiment à dire que je suis fier de vous. On est ici comme équipe coach pour vous parler de votre saison et pour féliciter ceux qui ont mérité les prix aujourd'hui. Salut les gars, Coach Chenard. Donc, moi, je vais parler un peu de ma défense toute la saison. Vous avez été le marteau et non le clou, comme on mentionnait, sur le terrain. Vous avez frappé fort, vous avez joué fort. Puis je pense que vous êtes démarqué en ayant plusieurs parties avec 0 points contre vous cette année. Donc, toute une saison. Salut les boys, Coach Plouffe ici.
C'est le fun d'apprendre à connaître bien les joueurs pour une première saison comme trainer. Et aussi avec la ligne offensive. On l'a dit à plusieurs reprises durant la saison, c'est pas nécessairement le rôle où est-ce que tu vas recevoir le plus d'attention, mais à chaque snap, c'est que tu fais un travail super important. J'aimerais ça féliciter toute l'équipe sur une super belle saison. On a eu du caractère cette année, on s'est rendu fier avec ça. Je pense que tout le monde devrait être fier de sa contribution. Salut la gang, coach Bouchette ici. Un souterrain, puis ça me manque. Il y a plein de mémoires qui arrivent autour de moi. Là. J'espère vraiment que vous êtes en forme, puis on va se revoir bientôt, j'espère. Pour l'offensive, boys, en 9 ans de coaching, j'ai jamais eu une offensive qui était capable de contrôler un match de la façon que vous l'avez fait. Donc, j'ai vraiment hâte de retravailler avec ceux qui reviennent, puis ceux qui quittent nos 12e années. Vous nous avez laissé avec des vraiment, vraiment beaux moments sur le terrain et autant que dans le vestiaire et dans l'école. Donc, je vous en remercie pour ça. Sans plus tarder, on va passer au prix. Puis, Coach Chenard va présenter le prix pour esprit sportif de cette année. Donc, notre joueur avec le meilleur esprit sportif, c'est notre voix sur le terrain et hors le terrain. C'était un gars que, quand on avait un cru pendant un match, il était capable de motiver les gars et de nous faire vraiment rentrer dans la game. Donc, sans plus tarder, notre joueur ayant le meilleur esprit d'équipe, Christopher Poba. Félicitations. Pour MVP de l'équipe, je pense que ça va sans dire que ce joueur-là, depuis la 9e année, est toujours là pour nous quand on a besoin de lui. Peu importe, on est où sur le terrain, on est sur offense ou défense, ce joueur-là va faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Il va inspirer le reste de ton équipe par son exemple, peu importe c'est quoi la situation dans le match. Donc, Vincent Goulet, félicitations. On est très fiers de toi. Félicitations, les gars. Maintenant, je vais présenter les deux prochains sportifs qui vont remettre les prix pour nos athlètes en volleyball et en basketball gars senior. Monsieur Spears, ancien vert et or, joueur de volleyball quasi professionnel, va remettre les prix chez les garçons, gars senior, volleyball. Monsieur Chenard, presque assez bon pour jouer GG's, va remettre les prix pour basketball gars senior. Ça, c'est mes deux sports préférés. Kobe! Oh! Salut Arnaud! Moi c'est Michael Spears. Monsieur Spears, ces jours-ci. Je pensais à ma coiffure que j'avais lorsque j'avais 18 ans. Oh, que c'était hot! Mais non, je suis ici aujourd'hui pour présenter les prix du mérite sportif de garçon volleyball senior. Premièrement, j'aimerais féliciter toute l'équipe. Vous avez vraiment élevé la barre pour les futurs Gaulois qui désirent jouer au volleyball. Félicitations à toute la gang. Pour ce qui est du joueur le plus utile, pour l'année 2019-2020, roulement du tambour. Félicitations à Jacob Ferland. Bravo Jacob. Pour ce qui est du garçon qui se mérite le prix d'esprit sportif et joueur d'équipe, félicitations à... Cédric Lavina! Félicitations les gars! Bon succès dans toutes vos aventures futures! Je vous aime Garneau! Salut l'équipe de basketball, garçons 9-12. Donc pour souligner notre saison, j'ai décidé de nous rappeler de nos trois grands moments de l'année. Donc la première chose, c'était le fait que c'était la première équipe de basketball garçons seniors depuis les quatre dernières années à Garneau et ça dans notre nouveau gymnase. La deuxième chose, c'est nos fameuses pratiques où ce qu'on devait prendre notre tour à monter et descendre les filets avec la fameuse crête manuelle. Et finalement, la troisième chose, c'est notre record, mais ça, on n'en parlera pas. Donc, je cède la parole maintenant à M. Pichat. Salut les gars. Je voulais juste vous remercier pour la belle saison qu'on a eue ensemble. Même si notre record en laisse à désirer, j'ai grandement appris de vous autres. Puis, on a fait beaucoup de chemin tout au long de la saison. Je suis vraiment fier d'avoir eu la chance de partir le programme de basket avec vous autres. Puis, comme vous avez peut-être constaté pendant notre compétition de lancer, il faut apprendre à connaître nos forces et nos limites pour faire certain qu'on profite de notre plein potentiel. Et maintenant, pour souligner notre joueur ayant le meilleur esprit d'équipe, c'était notre capitaine, notre voix sur le terrain. Même après sa blessure, il a quand même été une grande partie de l'équipe. Donc, Zachary Brownhill, félicitations.
pour notre MVP. Ce joueur donnait toujours 100%, peu importe si on était à l'offense ou à la défense, que ce soit pendant un match difficile ou même pendant des pratiques, on fait toujours compter sur lui. Donc, félicitations, Eli Figali. C'était un vrai plaisir de pouvoir coacher l'équipe avec toi qui en faisait partie. Ton énergie était contagieuse, puis ta ténacité, puis ton dévouement à t'améliorer tout au long de la saison, c'était grandement apprécié. Donc, merci encore. Eh bien, félicitations à tous les gagnants pour la saison automne de sport. Maintenant, j'aimerais présenter Estelle Armango et Daniel Dilolo, représentants de 9e et 10e année respectivement, qui vous présenteront les prix Coco 9-10. À tantôt! Bonjour chers Gaulois et Gauloises, je m'appelle Estelle Armango et je suis présentement la représentante des 9e années à Garneau. Aujourd'hui, en cette cérémonie des Oscars, j'ai le privilège de vous présenter les gagnants des prix Coco des 9e années. Le premier prix est remis à un élève gourmand, soit l'élève qui a probablement mangé le plus de biscuits de la cafétéria cette année. Le gagnant est Justin Coquio. Le deuxième prix Coco est remis au Gaulois le plus apte à gagner un prix Nobel. Le récipiendaire de cet honneur est Christian Boileau. Le prochain prix Coco se décerne à l'élève qui aimerait sans doute le plus habiter sur une ferme. La gagnante de ce prix Coco est Emma Bastien. Le dernier prix Coco, mais non le moindre, pour les 9e années, est remis à une Gauloise qui aime échapper à la réalité, soit l'élève qui a probablement lu le plus de livres pendant la quarantaine. La gagnante est Clara Ball. Bonjour, ici votre représentante des 10e années, Danielle Dilolo. Finalement, après une année complète de patience, il est temps d'annoncer les gagnants ou gagnantes des prix Coco pour notre niveau. Le premier prix Coco est pour l'élève qui joue le mieux au piano. Et le gagnant est Tristan Roy. Pour notre deuxième prix Coco, nous avons l'élève qui est le plus apte à ne pas connaître sa couleur de niveau. Et le gagnant est Michael Jared. Maintenant, le prix le plus magique pour l'élève qui est le plus apte à se faire accepter à Poudlard, mieux connu comme Hogwarts. Et le gagnant est Michael Jared! Nous sommes arrivés au dernier prix Coco, qui est pour l'élève qui est le plus apte à encore avoir un dîner dans son casier. Et le gagnant est... Et oui, vous l'avez deviné, pour une troisième fois, Michael Jared! Bienvenue! Bienvenue dans la catégorie sport d'hiver. Sport d'hiver, on pense à volleyball. Je suis peut-être pas très bon au volleyball, mais les deux prochaines présentatrices sont excellentes au volleyball. La première, Myriam English. Myriam a joué pendant 5 ans pour l'Université d'Ottawa. Elle a été nommée sur l'équipe étoile des universités canadiennes. Elle a joué en Finlande de manière professionnelle. Elle présentera les prix pour les gars junior. Elle sera suivie de Marie-Alex Bélanger, joueuse professionnelle en Suisse au volleyball. Elle a joué pour les Carabins de l'Université de Montréal pendant son passage universitaire et est maintenant sur l'équipe nationale canadienne. Elle présentera les prix pour les filles juniors. À tantôt! Salut Garneau, je me présente Myriam English, ancienne des GGs de l'Université d'Ottawa et de Riveden Ponistus de la Finlande. Je suis ici ce soir pour présenter les prix de mérite pour les gars de volleyball junior. L'athlète le plus utile cette année était Kieran Sutherland. Félicitations Kieran. Et l'athlète démontrant le plus d'esprit sportif est Samuel Dubé. Félicitations les gars pour une superbe saison et bon succès, bonne chance l'année prochaine. Salut! Je m'appelle Marie-Alex Bélanger. Je suis attaquante de deux sur l'équipe nationale féminine canadienne depuis environ 8 ans, je crois, ça fait un petit bout. Puis j'ai l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter les mérites sportifs pour l'équipe de volleyball féminine junior de l'école secondaire catholique Garneau. Donc, sans plus tarder, pour le prix de la joueuse par excellence de la saison dernière, la gagnante est
Danica Xatruche. Donc, bravo Danica pour tous tes efforts. Pour ce qui est du prix pour le meilleur esprit sportif, la gagnante est Gabrielle Ferland. Donc, good job Gabrielle pour être une super bonne teammate. Bravo à toutes les récipiendaires, bravo à toute l'équipe parce qu'on est dans un sport d'équipe, donc on sait que sans tous les membres, il n'y aurait pas de gagnant. Donc, bravo pour toute l'équipe pour la saison dernière, puis je vous souhaite une super belle saison l'année prochaine. Peut-être qu'on va se croiser dans un gym, qui sait. Et ben sinon, go les Gauloises! Wouhou! À Garneau, on prend notre volleyball au sérieux, puis d'autres sports des fois. J'ai l'honneur de vous présenter deux excellentes joueuses de volleyball qui présenteront les prochains prix. Premièrement, nous avons Shaina Joseph, ancienne élève de l'école secondaire Franco-Cité, maintenant sur l'équipe de volleyball nationale féminine, qui présentera le prix pour l'équipe volleyball filles senior. Elle sera suivie de Yannick Hébert, qui elle présentera le prix pour hockey filles senior. Bonjour, je me présente, Shaina Joseph, attaquante en deux pour l'équipe canadienne féminine de volleyball. D'ici aujourd'hui, pour présenter les prix pour l'équipe féminine senior de Garneau. Félicitations à Danica Robert, qui se mérite le prix de athlète par excellence cette saison. Bravo Danica! Le prix de meilleur esprit d'équipe et sportif sera remis à deux athlètes cette année. Ces filles ont démontré du leadership, chacune à sa façon, qui a contribué à aider au succès de l'équipe. Bravo à Isabelle Brisebois et Yannick Hébert. Félicitations aux gagnantes et à toute l'équipe et bon succès l'année prochaine. Et souvenez-vous de profiter de vos belles années au secondaire et de fièrement représenter les écoles sportives francophones. À bientôt! Nous passons maintenant au prix de l'équipe de filles hockey 9-12. En premier, le prix de la joueuse la plus utile. La gagnante est Cynthia Maisonneuve. Et j'ai déjà vu Cynthia jouer au hockey, puis ouf, elle patine vite. Donc, je sais qu'elle mérite bien ce prix-là. Bravo Cynthia. Maintenant, le prix d'esprit d'équipe. La gagnante de ce prix a peut-être l'air un petit peu intimidante sur la glace, mais c'est juste parce qu'elle essaie de protéger ses coéquipières. La gagnante du prix d'esprit d'équipe est Alexandra Colette. Bravo, Alex. Curling, curling, curling. Avez-vous déjà joué au curling? Parce que moi, pas pantoute. Je suis pas un curler expérimenté. Cependant, nous avions une équipe phénoménale. Nous sommes rendus l'année passée à OFSA. Cette année, on a eu un petit peu plus de misère. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les entraîneurs qui ont participé à cette création d'équipe phénoménale. Nous avions 6 entraîneurs et 4 joueurs. Donc, premièrement, Madame Filion, Monsieur Dubus, Monsieur Soucy, Monsieur Massé, Mama Burns, Mama Boswell, puis moi. Ça fait 7 ça, mais c'est correct. Bon, MVP, notre premier MVP en curling pour une deuxième année consécutive. David Boswell. Bravo David. David a su charrier l'équipe du début jusqu'à la fin. Esprit sportif. L'esprit sportif, c'est un joueur qui avait jamais joué au curling avant l'année passée. Je te parle d'un joueur que son expérience de curling a commencé la première joute l'année passée. Esprit sportif cette année, Alec Godard. Pour ce qui est de ma carrière de coach de curling, elle est terminée. Aux joueurs, félicitations. Il me fait plaisir de présenter Cameron Candy et Tiana Irving, les récipiendaires des athlètes de l'année du côté masculin et féminin l'année dernière. Cameron Candy, joueur sur l'équipe d'Ultimate Frisbee de l'Université d'Ottawa, présentera le prix du côté masculin. Il sera suivi de Tiana, qui elle, joueuse de hockey à l'Université Bishop, qui présentera elle le prix du côté féminin. Bonjour Garneau, ici Cameron Candy pour vous présenter le gagnant du prix pour l'athlète masculin senior de l'année. Cette année, le prix sera remis à une personne incroyable, un joueur d'équipe exceptionnel. Il a participé au succès des équipes de soccer, volleyball ainsi que le Ultimate Frisbee. Il a non seulement été un joueur sur chacune de ces équipes, mais il avait un rôle super important sur chacune d'elles.
Personnellement, j'ai eu la chance de jouer à ses côtés sur les équipes d'Ultimate et de Soccer, et je peux garantir qu'il donnait toujours son 100% et m'a souvent sorti du trouble durant des parties. Alors, je suis fier de vous annoncer que le gagnant du prix pour l'athlète masculin senior de l'année 2019-2020 est nul autre que Samuel Tremblay-La Rochelle. Salut tout le monde, ici Tiana Irvin et Émilie Chaprier. J'espère que vous passez une belle soirée de score assis dans votre salon. C'est un petit peu différent que d'habitude, mais c'est quand même amusant. On est ici ce soir pour vous annoncer l'athlète féminine de l'année 2019-2020. Cette personne est l'exemple parfait d'une athlète étudiante. Non seulement elle était dans le CDA, mais elle joue au volleyball, au baseball, au frisbee au team et au touch football. Donc, l'athlète féminine pour l'année 2019-2020 est... Félicitations à tous les gagnants dans les catégories de sport d'hiver. Je vais maintenant passer la parole à vos représentantes de 11e et 12e année, Elisabeth Larocque et Danica Robert, qui vont vous remettre les prix Coco 11-12. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Elisabeth Larocque et je suis présentement la représentante de niveau pour les 11e année. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter les prix Coco pour mon niveau. Alors sans plus tarder, les voici. Pour notre premier prix, nous avons l'élève le plus apte à battre un record du monde. Le gagnant est Stefano Discipio. Le deuxième prix Coco est l'élève le plus apte à devenir TikTok famous. Le gagnant est Christian Sarro. Le troisième prix se décerne à une Gauloise, soit la Gauloise la plus apte à ne pas avoir son permis de conduire avant 30 ans. La gagnante est, roulement de tambour s'il vous plaît, Julia Nichols. On vient tout juste de m'informer que nous avons maintenant les résultats pour le dernier prix Coco, soit l'élève le plus apte à survivre sur une île déserte. Et le gagnant est Théo Lemire. Bonjour, mon nom est Danica Robert et je suis la représentante de 12e année, comme M. Sable l'a dit. Et j'espère que vous appréciez les Oscars jusqu'à présent, parce que maintenant, c'est le moment d'annoncer les trois prix Coco de 12e année. Pour le premier prix Coco, nous avons l'élève qui va se rendre à Garneau pour la période des examens 2020. Et la gagnante est... Angeline Lafleur. Pour le deuxième prix Coco, nous avons l'élève qui va être en retard à sa remise de diplôme. Et le gagnant est... Daniel Burns. Pour le dernier prix Coco, nous avons... l'élève qui va gagner la loterie mais perdre son billet. Et la gagnante est Justine Bourgeois. Re-bienvenue dans ma cour arrière. Chez nous, on a une bénédiction. J'ai un petit nid de rouge-gorge avec quatre petits œufs à l'intérieur. Puis ça, c'est super parce que ça présente bien le prochain prix. Le prochain prix va être présenté par une personne qui a la tête comme un œuf de rouge-gorge. Pas poilu pantoute. Pour nos 12e années, je parle ici de votre directeur adjoint préféré des 6 dernières années. Si tu te demandes c'est qui, il vient de Castleman, Monsieur Normand. Salut Garneau, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais un petit retour dans mon ancienne vie que j'ai bien aimée à Garneau pour vous présenter un prix Coco. Donc le prix Coco que je vous présente aujourd'hui, c'est la personne qui est la plus apte à devenir un enseignant ou une enseignante à Garneau. Donc en nomination, on a Isabelle Larocque, on a Julia Brady, on a Zachary Hull et on a Jeannick Hébert. Et le grand gagnant ou la grande gagnante est Isabelle Larocque. Félicitations. Salut, gang. Nous allons maintenant commencer à remettre les prix dans les catégories club. Comme premier invité,
Nous avons une chanteuse, interprète, compositrice, fière franco-ontarienne, Céleste Lévy, que vous connaissez bien à Garneau, qui va présenter le prix pour Enfants en Traite. Elle sera suivie d'Isabelle Brisebois, élève de 12e année, qui remettra, elle, le prix pour Vrai Copain. Salut tout le monde et félicitations pour cette belle soirée. J'espère que vous prenez bien soin de vous à la maison et je dois avouer que j'ai hâte de revisiter Garneau quand tout reviendra à la normale. Alors, on m'a demandé de vous présenter les gagnants ou les gagnantes dans la catégorie de leadership et c'est important de noter que les trois gagnants ou gagnantes se sont démarqués dans le club Enfants Entraide. Alors, roulement de tambour pour prix esprit d'équipe. Félicitations à Isabelle Hajar et Zoé Roy-Steng! Yeah! J'espère que vous tapez des mains là. OK, et pour le prix élève exceptionnel, félicitations à Claudel Vézina. Wouhou! Donc, félicitations à tous les gagnants, toutes les gagnantes de la soirée. J'espère qu'on se voit très bientôt. Merci Céleste et félicitations aux gagnants. Maintenant, j'aimerais présenter le prix pour le club de Vrais Copains. Les élèves qui se méritent ce prix se sont très bien démarqués au sein de leur club. Elles participent dans ce club depuis plusieurs années et ont tissé des liens d'amitié inoubliables. Premièrement, j'aimerais présenter Julia Brady pour le prix d'élève exceptionnel. Bravo Julia! Et ensuite, j'aimerais présenter Joanne Régnier pour le prix d'esprit d'équipe. Félicitations les filles et un grand merci à tout le monde qui participe à ce club et qui vont continuer à participer à ce club. Vous faites une différence! Aux Oscars 2020, nous sommes super choyés d'avoir en notre présence le comédien qui présentera le prochain prix. Mais avant de le nommer, j'aimerais raconter une petite anecdote. Ce comédien, avant d'être un comédien de nommée internationale et faire des spectacles à Paris, Ottawa et Chute à Blondeau, a eu l'occasion de travailler pour mon père au Future Shop de Laval et vendait des laptops. Oh ouais, j'ai appris à le connaître avant même qu'il devienne la superstar qu'il est. Donc, pour présenter les prix en improvisation 9-12, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Rachid Badouri. Bravo, bravo, bravo Chloé. La Lalonde Leblond, meilleure joueuse, tabarnouche. En plus, capitaine de l'équipe, on m'a dit que t'as eu beaucoup de challenges, c'est une équipe jeune, tout le monde devait monter son jeu d'un cran et t'as réussi à faire ça. En plus, dans des conditions pas si simples en ce moment avec le confinement et tout ce qui se passe avec ce COVID de... Faut pas dire ça. Mais bravo à toi, félicitations. C'est dans les grandes tempêtes qu'on voit les leaders et tu en es une leaduse. Ce qu'on dit leaduse? Lidette? Lidatette? Lidareuse? Bravo à toi, bravo, bravo, bravo. J'aimerais ça faire mention spéciale aussi à Gisèle Sobriquet. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être quand ton briquet est pété, t'as un genre de sobriquet pour... Bref, mais Gisèle, félicitations. Félicitations aussi à la meilleure esprit d'équipe, Elisabeth Forêt. Sobriquet, court, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais bref, félicitations, tu le mérites. Et comme on dit par chez toi, you girl, you take care of things. Bravo, bravo, bravo Chloé, bravo aux Gaulois, félicitations, à bientôt. Bienvenue dans ma cour arrière. Domicile aussi d'un nid de rouge-gorge et de deux belles piscines hors terre. Tu te demandes pourquoi je t'ai dit ça? Mais c'est assez simple. J'aimerais te présenter Isabelle Brisebois qui va remettre les prix pour le club écolo et le club bien-être et méditation. Merci, M. Sam. Peut-être nos gagnants peuvent peut-être venir t'aider un jour à planter un jardin à ta cour. On sait jamais. Donc, j'aimerais présenter les prix pour le club écolo. Les élèves qui participent à ce club ont consacré beaucoup de temps et ont donné plein d'idées, plein de solutions afin d'améliorer l'environnement à Garneau. Donc, un gros merci pour tous les gens qui sont dans ce club. J'aimerais certainement féliciter Isabelle Hajar qui gagne le prix d'élève exceptionnel pour le club écolo. Et ensuite, j'aimerais féliciter Claudine Vézina qui gagne le prix d'esprit d'équipe. Bravo les filles et merci beaucoup.
j'aimerais maintenant présenter les prix pour le club de bien-être et de méditation. Donc, notre première élève s'est démarquée au sein de plusieurs clubs. Et cette élève est Isabella Hajar, qui a gagné le prix d'élève exceptionnel pour le club de bien-être et de méditation, ainsi que plusieurs autres clubs. Félicitations Isabella, et merci pour ton engagement au sein de ces plusieurs clubs. Ensuite, j'aimerais féliciter quelqu'un qui démarque toujours un beau sourire autour de l'école et qui a, évidemment, démarqué un esprit d'équipe exceptionnel pour le club de bien-être et de méditation. Donc, félicitations Zoé Roissin. Bravo les filles! Bon, je vais me faire mettre en time-out par ma femme. S'il y a un club dans l'école qui demande du travail à l'année longue et beaucoup de travail puisqu'un produit final, c'est bien l'annuaire. J'aimerais en premier lieu remercier tous les enseignants qui participent au club de l'annuaire ainsi que tous les élèves qui participent au club de l'annuaire parce qu'à la fin de l'année, nous avons tous un souvenir de notre année. Parlant de l'annuaire, ça prend beaucoup de travail. Puis, on a pris quelqu'un qui était travaillant pour remettre ce prix. Donc, auteur, compositeur, écrivain, poète, slammer, plein d'autres choses. Homme de théâtre. J'étudie poète? Oui, poète. Le prochain artiste, c'est Yao, qui habite à Ottawa depuis l'âge de 13 ans. Fier franco-ontarien. Yao va présenter les prix pour Club de l'annuaire. Merci. Ici Yao. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Je suis très heureux d'être avec vous de manière virtuelle pour la remise des Oscars et remettre les prix Esprit d'équipe et élèves exceptionnels. Ces prix sont remis dans la catégorie club scolaire à des élèves qui ont été la pierre angulaire du comité de l'annuaire. Le prix Esprit d'équipe est remis à Ryan Broad en 12e année. Et le prix élève exceptionnel va à Maya Meloche en 11e année. Merci. Félicitations aux gagnants. J'aimerais maintenant prendre le temps de présenter nos deux prochains artistes. Nous avons D-Track, un rappeur de la région de Gatineau, ainsi qu'une auteure, compositrice, interprète, Marie-Claude, qui vont présenter les prix pour artistes multidisciplinaires ainsi que danse. Salut tout le monde, ici D-Track. Donc dans la catégorie artistes multidisciplinaires, le prix talent. Les nominés sont Shania Pochin et Cassidy Bouahan-Carlit. Et la gagnante est Shania Pochin. Félicitations. Il y a plusieurs élèves talentueux à Garneau. Il me fait plaisir de présenter les artistes en nomination pour la prochaine catégorie Esprit d'équipe et collaboration, artistes multidisciplinaires. Les nommés sont Cassidy Carlita Mambou et David Lafleur. Le ou la récipiendaire, Cassidy Carlita Mambou. Félicitations Cassidy. Tout au long de l'année, grâce à ton énergie positive et ton grand leadership, tu as su rassembler tes divers coéquipiers et coéquipières. J'aimerais souligner de façon particulière ton excellente collaboration en théâtre au sein de la troupe Boostify. Encore une fois, merci et surtout, bravo! Bonjour Garneau, c'est Marc-Claude. Je suis chez moi, présentement. Et puis, je suis ici pour vous présenter deux prix dans la catégorie danse. Merci à vous de me donner l'opportunité d'enfiler autre chose que des sweatpants. C'est pas un gros upgrade, mais si vous avez vu ce que j'ai porté dans les dernières 8 à 10 semaines, vous comprendrez que c'est un upgrade, effectivement. Donc, j'avais deux choix, soit de vous donner comme prix mes vieux souliers de danse. Je me suis dit que c'est pas très alléchant, donc je vais les laisser en arrière-plan comme visuel. J'ai plutôt choisi de vous remettre des cactus. J'espère que ça va être correct, puisque selon les circonstances, c'est pas mal tout ce que j'ai comme choix pendant ce coronavirus.
Donc, premier prix, catégorie danse, remise à l'élève qui s'est démarqué par son talent. Félicitations à Annika Chungza. Deuxième prix, catégorie danse, prix remise à l'élève qui s'est démarqué par son esprit d'équipe. Félicitations, Keisha Zinga. Donc, bon été à tous. Je vous souhaite une excellente graduation aussi à ceux qui nous quittent. Puis, bonne journée. Chère Annika, tu mérites tellement le score talent en danse. Non seulement tu présentes tes chorégraphies sur la scène avec une exécution technique impeccable, mais tu es aussi gracieuse et pleine d'émotions et d'expressions faciales qui viennent chercher tes spectateurs. Dès la 9e année, tu as aussi démontré des talents en leadership en coachant les deux candidates nominées dans cette catégorie, nos chères jumelles Charlotte et Thérèse. Je te félicite sincèrement et te voici dans la photo lors de la visite spéciale de Marie-Claude en 2019. Chère Keisha, je voulais prendre ce petit instant important pour te féliciter. Donc, bravo pour ton Oscar qui est vraiment mérité. Depuis ton arrivée à Garneau, tu as collaboré avec une autre Gauloise, notre chère Cassidy, et vous étiez un duo impressionnant avec vos idées de chorégraphie. Tes créations et tes présentations sur les différentes scènes pour l'équipe Senior Hip Hop, par exemple, étaient toujours exceptionnelles. Ton esprit d'équipe et de collaboration, sans oublier ton leadership, furent très appréciés par tous les Gaulois et Gauloises. Bon futur, ma chère, et continue de danser! Challenge TikTok Garneau. À votre tour. J'ai maintenant le privilège de vous présenter Mick Michel, artiste experte dans l'art du graffiti, qui présentera les prix en art visuel. Elle sera suivie de Mehdi Kayen, auteur, compositeur, interprète, qui a vécu partout au Canada et dans le monde, qui lui présentera les prix en musique. À tantôt! Bonjour Garneau, un gros bonjour spécialement aux gradués. Ici Mick Michel pour vous annoncer les nominés du prix de talent d'art visuel. Yes, yes, en direct de Timmins. Donc en tant que nominés, on a Emma Trin, Madison Murphy, Estelle Miville de Shine, on a Claire Hamilton et pour la personne qui a gagné, je dois dire, je suis un peu biaisée parce qu'on a les mêmes initiales. Félicitations, Madison Murphy! Je vous souhaite bonne journée, à bientôt. J'ai hâte de collaborer avec vous encore une fois, Garneau. Wouhou! Mesdames et messieurs, du concours Les Oscars de Garneau. Dans la catégorie Talent, pour le prix Talent, les nommés sont Evant Chivaza, Simon Julien, Mélania Decoste et Justin Cocchio. Roulement de tambour et le gagnant est Justin Cocchio, mesdames et messieurs. Les nommés pour le prix Esprit d'équipe, Connor Haggerty, Gabriel Lanouette, Stéphane Chalifou. Le gagnant, Stéphane Chalifou, mesdames et messieurs. Félicitations, félicitations, félicitations. Salut Justin, je tiens à te remercier pour ton professionnalisme lors de la tournée de Noël dans les écoles nourricières et puis lors du spectacle de Noël à l'occasion des portes ouvertes aux parents ou sinon devant les 7 et 8 de notre école. Je me souviens que tu avais fait du bon travail dans le volet préparatoire, donc retranscrire des partitions de batterie pour faire en sorte que tout sonne très bien et puis jouer avec un fameux click-track. Donc, tu arrivais à faire tout ça et puis ton enthousiasme également. Donc, tous ces éléments-là, en fait, ont fait de toi une personne qui était
agréable à travailler avec. Et puis, ça démontre aussi ton talent exceptionnel à la batterie. Donc, bonne continuation, mon ami, et puis passe un bel été. Salut Stéphane, je te remercie énormément pour ton esprit de collaboration. Tu le sais, tu es quelqu'un qui offre beaucoup d'aider. Et puis, je l'ai remarqué durant la tournée des écoles nourricières à l'occasion des spectacles de Noël où tu aidais avec la manipulation de l'équipement, tu es venu faire les répétitions et tout ça. De même qu'à la soirée des parents, je me souviens encore, tu étais resté longuement après l'école pour aider à amener les lutrins, l'équipement. Et puis, tu me demandais s'il y avait quoi que ce soit que tu pouvais faire d'autre pour aider. Tu étais très dévoué. Et puis, c'est pas passé inaperçu. Ça a été grandement apprécié de ma part. Je t'en suis grandement reconnaissant. Alors, félicitations. Et puis, je te souhaite de joyeuses vacances d'été. Salut. Suite à sa formation à l'Université d'Ottawa en théâtre, notre prochain invité a fait partie de plusieurs distributions de théâtre à travers la province et le pays. Caroline Yergeau nous présentera les prix pour théâtre. Bonjour, je suis Caroline Yergeau, comédienne et metteur en scène d'Ottawa et aussi la dernière marraine du FTAMS, Festival Théâtre Action en milieu scolaire. Merci beaucoup de m'avoir invitée à votre gala et j'ai l'honneur, pour commencer, de nommer la lauréate de l'honneur talent qui cette année est remis à quelqu'un qui a un talent bien particulier, quelqu'un qui a un talent en organisation, qui a un sens de la créativité et aussi un sens critique, qui depuis 2 ans a donné un bon coup de main à l'organisation des répétitions et à la mise en scène dans la troupe TAG. Et j'ai nommé une élève de 11e année, Noémie Parisien. Félicitations Noémie et merci pour ton travail à la régie au sein de la troupe TAG. Ton grand sens de l'organisation, ta fiabilité, ta créativité, ton esprit critique ont fait de toi une alliée précieuse, tout particulièrement cette année. Bravo! Non, mais c'est un gala ou c'est pas un gala? Alors, me voici de retour pour annoncer l'honneur Esprit d'équipe. Cette année, il est remis à une élève qui a su faire preuve d'une grande générosité, d'un engagement et d'une énergie positive. Et ce, malgré toutes les difficultés rencontrées cette année avec les annulations de représentation, avec l'annulation du FTAMS. Mais malgré tout, elle a toujours donné son 100%. Elle a tenté de rassembler les autres et de garder une énergie positive. Et j'ai nommé une élève de 12e année, Maria McKeel. Maria, je ne pouvais certainement pas laisser passer cette occasion spéciale pour te remercier pour ces 4 belles années au sein de la troupe TAG. Tu n'as jamais lâché, tu as toujours tout fait pour le bien de l'équipe. Merci et félicitations encore pour ce prix bien mérité. Vous vous demandez qui sont ces élèves qui ont organisé à travers toute l'année, malgré la grève des enseignants, malgré le COVID, les activités qui ont eu lieu à Garneau. Eh bien, c'était votre CDE 2019-2020. Voici les membres. Les représentants par niveau, 9e année, Estelle Armengo. 10e année, Daniel Dilolo. 11e année, Elisabeth Larocque. 12e année, Danica Robert. Les représentants de communication, Justin Saunier et Alexander Patterson, la représentante de la catholicité, Isabelle Ajor, la représentante de l'environnement, Claudine Vézina, la représentante des sports et loisirs, Yannick Hébert, la représentante de la culture francophone, Isabelle Brisebois, les représentants des affaires internes et externes, Louis-Philippe Saint-Arnaud, la trésorière secrétaire, Marie-Ève Oliveira, la vice-présidente, Isabelle Larocque, et votre présidente, Hannah Arhaus. Félicitations pour le beau travail cette année
malgré toutes les difficultés qui ont pu être engendrées. J'ai le plaisir de vous présenter la députée de la circonscription d'Orléans dans la Chambre des communes canadiennes, qui présentera le prix conseiller gaulois. Je vous présente Madame Marie-France Lalonde. C'est avec beaucoup de fierté que je me joins à vous tous pour célébrer de façon virtuelle la remise des Oscars à Garneau. Je vous présente aujourd'hui le prix conseiller gaulois de l'année. Ce prix est remis à un ou une élève qui fait partie du conseil des élèves, lequel est élu par les élèves de la 8e à la 11e année et qui s'est grandement démarqué en faisant preuve de leadership au sein de la vie scolaire. Roulement de tambour! Alors, le prix conseiller gaulois 2019-2020 est remis à Isabelle Larocque, élève de 12e année et vice-présidente du Conseil des élèves gaulois. Félicitations Isabelle pour cette distinction. Il est maintenant temps de donner la parole à votre présidente, qui a fait un meilleur travail que Donald Trump pendant ce temps de COVID-19. Anna Outhouse va pouvoir présenter les membres du CDE pour l'année 2020 et 2021. Maintenant, le temps est venu d'annoncer votre CDE pour l'année 2020-2021. La représentante de 9e année est Laura Prudhomme. La représentante de 10e année est Carly Outhouse. La représentante de 11e année est Danielle Dilolo. Le ministre de l'Environnement est Mathis Urens-Barrette. La ministre des Sports et Loisirs est Geneviève Castagne. La ministre des Affaires internes et externes est Catherine Fortin. La ministre de Communication et Marketing est Estelle Armango. Le trésorier secrétaire est Mathieu Racicot. Le vice-président est Justin Saunier. Et votre présidente pour l'année 2020-2021 est Elisabeth Larocque. Félicitations à tous ceux qui ont gagné leurs élections. Et à toutes. Je me nomme Elisabeth Larocque et j'ai l'honneur d'être votre présidente pour l'année prochaine. Un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont élue et je souhaite vivre à la hauteur de vos attentes. J'aimerais prendre un moment tout à fait spécial pour remercier le CDE de cette année. Sans plus tarder, débutons avec les 12e années. Un grand merci à Claudine Vizina, à Hannah Outhouse, à Alexander Patterson, à Danica Robert, à Yannick Hébert, à Marie-Ève Oliveira, à Isabella Ajor, à Isabelle Brisebois et à Isabelle Larocque. Votre travail au sein du CDE a été exceptionnel et je vais vous manquer beaucoup l'année prochaine. Merci aussi à toutes les autres membres du CDE, dont Louis-Philippe Saint-Arnaud, Justin Saunier, Daniel Dilolo et Estelle Armango. Félicitations à ceux qui sont faits réélire et pour les autres, les portes du CDE sont toujours ouvertes. J'aimerais souhaiter un mot de bienvenue à tous les nouveaux dans le CDE de l'année prochaine et félicitations à tous ceux et celles qui sont faits élus et réélire. J'ai bien hâte de vous voir à la rentrée scolaire. J'aimerais maintenant présenter deux de mes patrons. M. Chénard qui présentera le prix Leadership Gaulois et sera suivi par un mot de la direction, Mme Marie-Josée Brosseau. Bonsoir à vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Je suis très heureuse que vous soyez présents à cette édition virtuelle des Oscars. Malgré tout ce que l'on vit cette année, nous ne pouvions passer à côté des Oscars. C'est un événement très important à Garneau. Nous tenons à souligner les exploits sportifs et artistiques ainsi que le travail de nos élèves. Je vous souhaite une excellente soirée et je tiens à féliciter chacune et chacun des gagnants. De plus, je tiens aussi à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin à cet événement. Sans vous, les Oscars n'auraient pu avoir lieu. Je vous en remercie du fond du cœur et je vous souhaite une excellente soirée. Oh, c'était long, hein? Ah, je sais. Solide 6 heures de mon temps, il doit être 10h30, 11h maintenant. Bon, les Oscars sont finis. Mais juste avant de quitter, j'aimerais remercier quelques personnes.
En premier lieu, nos invités. On a eu plusieurs invités, puis ils ont été super. Des invités sportifs, artistiques. C'est super. Merci beaucoup à nos invités. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier le CDE pour avoir organisé les Oscars. Merci le CDE. Sans vous autres, on n'aurait jamais eu d'Oscars aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de remercier les enseignants. Je ne sais pas si vous le faites, mais à la fin de la vidéo, allez envoyer un courriel à vos enseignants. Remerciez-les, que ce soit pour une équipe sportive ou un club, ou juste pour avoir été là pour vous autres pendant l'année. Il y en a beaucoup qui font du bénévolat, puis c'est super, puis on vous en remercie grandement. Mais rien n'aurait lieu sans les élèves. C'est vous autres qui mettez du oomph dans l'école. C'est grâce à vous si on peut vivre ces expériences-là. Je vous remercie tous les élèves pour avoir été présents, nous avoir défoncé pour le logo gaulois et gauloise. Merci beaucoup parce que en tant qu'ancien gaulois, j'adore voir la fierté qu'on a à l'école. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, gaulois un jour, gaulois toujours. Puis, faut pas oublier, hein? Puis ça c'est un message pour mes 12e années. C'est pas les Oscars que vous cherchiez, c'est pas la fin de l'année que vous avez envisagé pendant les 15 dernières années de votre vie, 16 dernières années. Depuis que tu sais que tu peux graduer, je pense pas que c'était à travers une situation telle que avec le COVID-19. Cependant, n'oublie pas qu'on est toujours là. Vous pouvez toujours venir nous voir. Vous pouvez toujours revenir nous raconter vos histoires. Dites-nous où est-ce que vous êtes rendu. On adore entendre parler de nos élèves, de nos anciens élèves. Puis il y a une certaine fierté. J'ai peut-être pas été le meilleur élève à l'école, mais les enseignants m'ont toujours accueilli les bras ouverts. Puis c'est quelque chose que j'essaie de partager. Ça tente de revenir l'année prochaine, nous voir au mois de septembre, octobre, d'envoyer un courriel à un enseignant, d'aller voir un enseignant puis lui dire « Hey, tu as marqué ma vie, mais fais-le! » Parce qu'en réalité, vous avez marqué ma vie. Vous êtes une cohorte à qui j'ai eu la chance d'enseigner en 7e, puis pour certains en 12e. Puis ça, je trouve ça super. J'ai l'occasion de vous voir grandir, de vous voir dans les 6 dernières années de votre vie, puis comment vous avez pris le temps d'être parti de petits jeunes pleins d'énergie à des plus vieux pleins d'énergie, je pense. Puis, je suis fier de vous avoir vu grandir de même. J'espère que vous n'allez pas nous oublier. J'espère que vous allez toujours vous rappeler qu'à Garneau, on est une famille. Puis, de même, c'est de même, je pense, je vais clore les Oscars. Fait que, la soirée est terminée. N'oubliez pas de répondre au sondage afin de recevoir votre prix si vous avez gagné. Si vous n'avez pas gagné, il y a toujours l'année prochaine. Puis, s'il n'y a pas l'année prochaine, mais c'est correct parce que moi non plus, j'ai pas gagné. D'ici là, salut! Restez en sécurité, restez en santé. Puis, on se revoit quand on se revoit. Bye tout le monde!